La thanatopraxie, c'est une méthode qui a été mise au point milieu 19e pour conserver les corps pour une présentation, momentanément. Contrairement à l'embaumement. L'embaumement qui a été mis en place en Égypte, si vous allez dans les musées, vous voyez les momies, vous voyez, c'est juste une enveloppe, un corps desséché, on a l'impression que c'est du cuir. Nous, on veut redonner au corps l'aspect qu'il avait de son vivant. Hein, donc on enlève les fameux stigmates de la mort, on lui redonne un aspect totalement naturel qui va plus rappeler le sommeil. Les candidats au poste de thanatopracteur suivent une formation théorique qui reprend beaucoup de cours qui sont des parties médicales, principalement l'anatomie. Dans l'anatomie, on va étudier le squelette, on va étudier les muscles, on va étudier le système vasculaire, on va étudier le cerveau, hein, on va étudier donc de telle sorte que le candidat comprenne totalement le corps humain. Et après, donc, une fois qu'on a passé le concours, on va se diriger vers la formation pratique. Donc là, on va être en formation pratique pendant environ 12 mois maximum. Et là, en complément, ils auront aussi une vingtaine d'heures de cosmétologie. Donc dans la cosmétologie, on apprend donc l'utilisation des différentes couleurs, on apprend la symétrie du visage et on apprend à pouvoir rectifier quelques imperfections qu'il pourrait y avoir. Et on peut même aller plus loin, puisqu'on va apprendre, si jamais les corps ont été abîmés par un accident, par exemple, on va apprendre à restructurer, à redonner la forme, un visage humain, donc de telle sorte que les familles sont... Notre principal souci, c'est de redonner aux familles un corps présentable. Hein, on va avoir enlevé les stigmates de la mort, les lividités, les cyanoses, le corps va être réhydraté, donc un peu regonflé, il va être très présentable.